C'est ça. Quand je peux me rattraper à ça, si. What? Non, non, je demande à le refaire là. Vous avez vu ce qui s'est passé? Mais comment j'ai fait? Comment j'ai fait? Mais t'es mis où? Là? J'avais fait ça, je suis tombé. Ah, full vie, ouais, peut-être. Dame qui demande, puis devant. Mais lol. Je suis pas sûr que c'est le moyen légal en vrai. Je suis quasi sûr que c'est pas la bonne méthode hein, ce qu'on vient de faire là. C'est vrai qu'il y a le boss normalement. Là. Ça veut dire qu'il y a encore un truc à faire. Et quoi? Il y avait pas un truc ici à faire? Ah si. Pas sûr que je puisse monter là-dessus. Je glisse. Je glisse aussi, je suppose. Ouais. Là, j'ai l'air de glisser un petit peu moins, non? Effectivement. Vraiment, c'est pas valide. Ah! Bien content d'avoir quitté Marcinelle. Ah, je t'en voudrais pas, je t'avouerai. J'avoue qu'à chaque fois que... Les rares occasions où je sors de chez moi, parce que moi je suis... pas le genre de gars qui sort de chez lui très souvent. Ah, c'est vrai que quand je vois la gueule de Marcinelle maintenant, je me dis intérieurement, putain. Ouais, je visualise. Putain, comment on a fait à l'époque? Je sais qu'il faut aller là-dedans. Pas de la ruche, ouais, je vois. Je me rappelle une fois. C'est vraiment con à dire. Bon, c'était un petit peu personnel, mais je donnerai aucun détail là-dessus. En gros, j'avais été chez les flics à un moment. Et quand le flic il m'a demandé d'où je venais, je lui ai dit ouais, je viens de Marcinelle. Là, il fait oh. Il a dit je vous plains, monsieur. Et ah bon, pourquoi? Ah, à chaque fois qu'on fait des patrouilles à Marcinelle, c'est l'horreur. Moi j'étais en mode mais c'était une belle ville avant. Quand j'étais gosse, c'était bien Marcinelle. Eh non. Oh, c'est devenu un dépotoir Marcinelle sans mentir.
T'aurais presque du respect pour Charleroi quand tu vas à Marseille. J'allais à l'école de Saint-Martin à l'époque, tout ça. Oh putain, les maxi-grenades, bébé! Belle époque, ma. Manquerait plus que ce soit quelqu'un que je connaisse d'ailleurs, si tu vivais à Marcinelle. Trop drôle. Alors le petit XVSK à l'époque, hein, j'allais à... Ouais, putain, j'ai dit le nom de l'école, je m'en souviens déjà plus. Ah, cette mémoire de poisson rouge, wesh. Saint-Martin, ouais, voilà. Après, j'ai été à Saint-Joseph, à Charlouze. Pire moment de ma vie, hein, Saint-Joseph. Hein. Remarque, j'ai quand même eu des bons côtés, hein, je vais pas mentir. C'est un petit peu en allant à Saint-Joseph que je me suis fait pote avec, avec des grunge. Ils m'ont fait écouter du métal, ils m'ont fait découvrir Korn, Slipknot, Rammstein, tout ça. À l'époque, j'écoutais du rap, vous savez, j'étais un paria, quoi. Oui, quand j'ai commencé à écouter le métal, j'ai vu la lumière et tout. Quoi, j'ai... Ah, j'ai où ? Là, je me disais bien, j'avais la mettre qui vibre, je me suis dit, tiens, il se passe quoi ? Oh, sauvegarde du feu, hein ? Ah oui, c'est vrai, maintenant, on voit la vie des boss. Les détails. On va tricher. Je pense qu'on peut tricher. Hop. Là. Je vais faire comme un biche. Bébé, reviens. Faut dire que c'est un combat de qualité, hein. C'est pas Maïté. De toute façon, moi, je vais finir en France un jour, donc... Viens ici. Le pire, c'est que je me suis dit, je vais tester ça juste pour le LOLs. Ça a marché.
Aïe, les gens. Elle a eu le temps de se changer, hein. Ah, c'est dans cette zone qu'il y a le saut. J'ai eu le Templier, ça roule. Tu veux aller en France vraiment? Bah oui! J'ai aucun point d'attache moi en Belgique en vrai. Ah, ça va, Templar et toi. Voilà. Oh non. Oh, je me souviens. Oh, je me souviens de ce level. Oh non. Oui, je me souviens. Faut pas croire, hein, le jeu je l'ai fait, hein, sur PC, hein. Avec la vieille version de l'époque, qui tournait sur DOSBox, vu que l'émulation, voilà, c'est obligatoire. Mais encore moins de le faire tourner, hein, sur Steam à l'époque, ce jeu, hein. Enfin, je dis à l'époque, mais... Oh non. Oh, je fais nawak, putain! Ah! Mais putain, Lara, de te cogner la tête sur les murs! Ah. Ah! 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 Artuman! Fais quoi, Tigrou? Tu peux pas m'attaquer, là. Ouah, genre, vous l'avez vu, il a popé de nulle part, quoi. Il a popé de nulle part. Ah, je déteste ça. Il y avait rien dans cette zone et boum, le tigre, il est venu en mode. Alors, techniquement, oui. Si tu veux en savoir une bonne par rapport à Charleroi, ben, en fait, une fois, on allait dans un bar. Là, qui s'appelle la Romerie. Et en fait... On était au bar, bah, y a le barman qui est venu à côté de moi. Il a fait « Excusez-moi, vous seriez pas XVSK ?» Et oui, c'est moi. Depuis, on est potes. Non, je suis aussi devenu... Enfin... Ça date un peu, mais... Ouais, je me suis quand même lié d'amitié avec certaines personnes, hein, genre le spawn, le seul gérant, tout ça. Ah, ça va, le nombre de bouteilles de rhum que je lui ai acheté.
Quest Horror. Ah, super. Ah! Peu mieux. J'aime bien les roms de la romerie en vrai. Le problème, c'est que je serais capable de m'enfiler une bouteille en une journée, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un bar spécialisé dans le rhum. Ah non, ils font aussi le bar, hein, donc vodka, tout ça. Abandonner le let's play. Ce niveau, c'est équivalent de l'Atlantide sur Tomb Raider 1. Ou les mines de Nat là aussi. Je peux abandonner, s'il vous plaît. Je peux faire un let's play sur FF14. Franchement, vas-y un jour. Ça, je déteste devoir se rattraper sur certaines bordures. Non, vous aurez remarqué qu'apparemment, la lave, c'est de la flotte dans ce jeu. Bon, allez. Par contre, je vais être ronchon pendant tout le level. Là, elle va me dire, mec, t'arrêtes pas de râler H24, que tu nous casses les couilles, là. Là, une fois, il y avait quelqu'un qui m'avait dit qu'il a... qui bossait dans un restaurant à Ville 2. Une fois on y avait été, on l'a jamais vu, le pauvre gars. Un petit peu. J'aurais bien voulu le voir. Ah! C'était toi! Je me disais aussi que ton pseudo me disait quelque chose. Ah, j'étais triste en vrai, hein. Je jure, on est passé deux fois là-bas. À chaque fois, on voyait que des demoiselles, donc je me suis dit, bah, il bosse pas. Je suis en train de raconter ma vie, là. Non, sinon, moi... Le futur, c'est vivre avec, avec ma chérie, hein, en Île-de-France, donc... De toute façon, je suis déjà à l'URSSAF, donc... Connard, les boss là-bas, à l'Oasis. Ok. Mais je sais qu'on n'ira pas donner un centime chez eux, du coup. Vas-y, c'est pas vraiment un bar, c'est plutôt un truc restaurant. Ah, attendez, je vous le bar de Tony, c'est ça. Oh non, quel con!
Oui, je suis con, une entreprise en France, en venant en Belgique, je croyais qu'il fallait trouver un taf sur place? Pourquoi t'aurais besoin d'un taf sur place? Maîtrise. Avancez. Joyeux samedi. Ah, un joyeux samedi, c'est un bon samedi uniquement quand t'es bourré. Ah, ça nous a ramené ici. Ok. Comment est-ce qu'on fait les... J'ai remarqué qu'on pouvait faire un truc quand on fait les sauts de l'ange dans Tomb Raider, c'est que tu peux faire des figures pendant que tu tombes. Eh non, justement, c'est pas un bon samedi parce que je suis pas bourré! Pas d'alcool à la maison! Oh merde. Monsieur, prends ça. Vous savez pas grand chose, monsieur, vu tout l'espace de disponible. Non. On peut pas aller entre les trucs, d'accord. En fait, ce que j'aime pas dans ce niveau, c'est qu'il y a énormément de passages sous l'eau. Mais genre énormément. Beaucoup de lave aussi. Alors à mes souvenirs... Non, ça passera pas. Ouais, je sais. Y'a même pas l'effet comme quoi elle brûle. Pas de café, moi. Pas fan du café. Bravo. Comment est-ce qu'on faisait ça? Ah putain, j'avais le bon angle, j'ai pas réussi. Mais j'appuie sur la touche de saut. Le plus c'est que je suis sûr qu'il y a moyen de... Putain, il y avait moyen. J'ai faim, moi aussi j'ai faim. Je vais me faire agréable. Et merde, et merde, et merde!
après, qu'on vienne pas me dire que Tomb Raider, c'est pas du die and retry, hein. J'ai vu ma mort arriver. Ah mais j'ai vu ah j'ai vu ma mort arriver donc je savais que c'était fou. Et bien sûr, il s'active pas. Non, c'est pas drôle. Du coup, quand je vais remonter, il va me tuer, c'est ça? C'est ma frustration. Eh oui! Déjà que le jeu est bien frustrant. Dès le début, et en plus de ça, ça empire sur la fin. Oh putain! Oui, vas-y! Emmène-moi partout, je te dirai rien! En plus, je commence à manquer de soins, donc ça va vraiment poser problème là.
Là là. Vous rigolez, mais beaucoup de gens considèrent le 3 comme le pire. En termes de difficulté. Là, c'est bon, j'ai déjà fait la ville. Imaginez le pétage de plomb que je vais avoir quand on va aller sur le 3. Mais non! Seconde près. Peut-être même la milliseconde près. Ah yes. C'est pas grugé. De connard. Je suis sûr, ils se sont dit à des gens qu'elle allait essayer et. J'ai pas loupé un truc là. Ah non, il y a des boutons à côté. Geronimo! En fait, je suis bien, moi, sur FF14. Encore, regarde. Mes classes EP. Je vais pas me prendre la tête. Vous cherchez un healer, je suis level maximum, hein, au passage. Alors je joue mage blanc principalement, mais je peux jouer astromancien si vous voulez. J'en ai marre de terrain, Lara. Et le jeu qui fait pas de soin là. Je suis au bord du gouffre, au bord du désespoir. J'adore aussi ces animations qui indiquent absolument pas ce que ça a fait. Saleté d'araignée de merde! Ah oui, c'est vrai, demain y'a le benchmark! 9h du matin! Le benchmark pour Domtrey, d'ailleurs, stream 24h hein, pour Domtrey hein, chez moi. Et oublie pas Cynthia, t'es obligé de regarder. Hein. Sinon, tu sais ce qui t'attend.
Franchement, après avoir joué aux deux Dragon's Dogma, franchement, je conseille, ouais. Un benchmark, c'est un logiciel qui permet de calculer les performances de ton PC, enfin, oui, de ton PC sur le jeu, pour savoir en avance si le jeu va bien tourner ou pas, en fait. Ouais, fufu, plus trop, en vrai. What? Vas-y. De temps en temps, on se parle, mais sans plus, quoi. Qu'elle était activée là. Alors pour le live down trail, 24 heures, l'objectif ça sera de faire un maximum de level sur le. Oh putain. Sur la nouvelle classe du jeu qui va sortir, c'est-à-dire le Viper. Je vais faire quoi là? C'est quoi? Du coup, ça se fera fin juin. S'il vous plaît, investissez dans mes futurs monsters. Bah que les plateformes sortaient pas. Ok, je suis venu ici avec une intention. Apparemment, mon intention était de mourir. Bon, allez, hein, ouf. Bugué le truc ? Attendez, il doit bien y avoir un moyen. D'où j'ai... Effectivement, mais comme ça, ça aide. Mais...